La Corse, un massif abrupt qui jaillit de la mer. Un massif dont le centre escarpé et aride semble impénétrable. Tant il dresse ses montagnes comme des barrières infranchissables, des pics décharnés, érigés comme des murailles, des citadelles célestes. Depuis cette bastille de roche, se dessinent des vallées encaissées, courant jusqu'au littoral. Un monde minéral recouvert de forêts denses, où l'homme est absent et où la nature sauvage et indomptée règne en maître. Sur les pentes plus douces, à l'approche du rivage, la forêt fait place au maquis, tandis que s'esquissent les signes d'une occupation humaine, à peine perceptible dans le paysage. Ce sont les vestiges d'activités passées et révolues qui racontent l'histoire d'une Corse oubliée. Une Corse, berceau des traditions insulaires, qui ne survit désormais que dans d'étranges récits entre imaginaire et mémoire collective. Un univers peuplé de contes et de légendes. On a quand même une vue imprenable sur le golfe de Calvi. Ah ouais, là je confirme. Hein. Avec en face la cité génoise de Calvi. Là-bas, à la pointe, il y a le phare Revelata. Et là, Punta Spano. Tout ça, ça ferme le golfe. C'est là que jadis ils venaient se protéger les navires. C'est grandiose en tout cas. Et là, Ochi, magnifique village. Hein. Tu veux vraiment qu'on passe par là? Ça m'a l'air assez périlleux. C'est vrai que ça glisse, hein. Mais tu vas te mettre sur les fesses et on va faire du toboggan. Fais attention. Oh là là. Attends-moi. Ouah, je mets où les pieds? Mais tu descends, regarde. Toi, tu as des longues jambes, toi. Eh ben. Et regarde, oh. On le voit mieux, le village d'Ouch. Ah ouais, super. De tous ces villages abandonnés que l'on peut avoir en Corse, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, on va dire que Ouch, c'est quand même un des plus célèbres et un des plus beaux, hein, vu la position, hein, tu as la mer comme ça, juste en fond d'écran, on va dire. C'est magnifique. C'est vrai que c'est très joli. Hein. Mais c'est vraiment un nom étrange, Ouch. Il ne serait pas un rapport avec l'œil ou le mauvais œil? Je crois pas, enfin, je pense pas que ça a un rapport avec le mauvais œil. En fait, ici, le village, il a été construit sur un point dominant, avec une vue panoramique exceptionnelle. Et en fait, c'est le village, du village, tu peux observer, surveiller et guetter s'il y a des navires ennemis qui pourraient piller et raser les habitations, puisque tu es dans une période où tu as les razzias barbaresques. Et d'ailleurs, ce sont les habitants qui avaient des maisons et des villages au bord du littoral qui sont venus construire celui-ci à cet emplacement. Donc on peut dire que c'est vraiment l'œil de Balagne, l'Ocho di Balagne. On m'a raconté que ce sont les habitants de la pointe Spano qui sont venus fonder ce village suite à la destruction complète du leur par l'envahisseur turc. Ouais, probablement. Mais c'est vrai qu'à cette époque-ci, on est quand même inquiété, hein, puisque les gens des villages, ils ont un peu peur, parce qu'il y a pas mal de razzias qui se fait sur la Balagne et aussi en Corse. Et puis les pirates, les barbares qui montent dans les villages, ils vont prendre les esclaves, hein, ils vont capturer les enfants, les femmes, les hommes. Les enfants, eux, vont être convertis à l'islam, hein, et vont devenir par la suite des puissants guerriers, et des pirates. Hein. Et les femmes, elles vont finir dans les harems ou des fois dans les maisons closes, ça se faisait à l'époque. Et les hommes, quant à eux, ils vont aller dans les chourmes, les galères, ou alors ils vont faire des travaux forcés. Hein. C'est pas la joie à l'époque. Non. Mais en ce qui concerne la Balagne, c'est vrai qu'il y a des razzias partout, des destructions partout. Il y a seul Calvi qui résiste, puisqu'il y a des remparts et il y a quand même des hommes en armes. Donc une ville qui tombe jamais face aux pirates. Mais le reste de la Corse, à cette époque-ci, au XVIe siècle, a vraiment subi des belles attaques et les villages ont été détruits. Mais on m'a dit que ce village datait du 15e et voire même du 11e siècle. Du 15e, limite, parce qu'en fait, on a des écrits qui parlent du village d'Ouch en 1589. Avant, on n'a rien du tout.
les villages du 10e, ce sont plutôt des villages de l'époque médiévale où les seigneurs, à l'époque, construisent des fortifications un peu sur des promontoires, un peu à l'intérieur des terres, qui dominent aussi la mer. Et ces seigneurs vont protéger les habitants qui vont construire leur maison autour de la fortification. Là, ce n'est pas le cas. Ouchi, c'est vrai que bon, c'est un village groupé puisque les maisons se groupent les unes aux autres. Ça fait une protection, ils se protègent. Mais il n'y a pas de château, donc c'est pas la même on va dire, architecture que l'époque plus ancienne, 10e siècle, 11e siècle. Ici, il y avait... 16e siècle, environ 150 habitants, il y a quelques maisons, bon, elles sont pas debout, on a les ruines, mais bon, ça reste quand même un beau village abandonné. En tout cas, il y a quand même une très très jolie vue. Ouais. Moi, je l'aime bien, ce village. Ochi est donc né des turpitudes de l'histoire. Comme bien des villages de la montagne insulaire, au temps où les pirates nord-africains, armés par l'Empire ottoman, radiaient les côtes de la Méditerranée occidentale. Il n'est toutefois pas un de ces villages perdus au fond d'un étroit défilé, caché au cœur des massifs les plus escarpés comme tant d'autres, mais une sorte de sentinelle, taillée comme une tour sur les pentes d'un massif abrupt, sur une terrasse saillante à flanc de falaise. Depuis son promontoire rocheux, Ochi est l'œil de la Balagne, celui qui voit au loin l'approche du danger, celui qui observe et qui veille sur ce somptueux terroir qui s'étale à ses pieds. Mais là, celle-ci, comme elle est belle! La petite maison. Elle est pas mal, hein? Ouais, même l'intérieur est joli. Il n'y a pas beaucoup à retaper, là. Pas beaucoup. Moi, je verrais bien, là. La cuisine en haut et la chambre au rez-de-chaussée. Parce que comme il n'y a pas d'eau courante, la nuit, c'est mieux, tu vois, la chambre au rez-de-chaussée. C'est plus pratique. Ah oui. En tout cas, tout est en ruine ici, sauf la seule et unique bâtisse debout. C'est cette jolie petite église. À Diezoucha. Elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps, hein? Eh ouais. Église de l'Annonciation. Elle est belle, hein? Mais somme toute, le village d'Auch, je l'ai connu comme ça, en ruine. Ouais. Et en plus, la porte, elle est fermée, tu vois ça. Et le pèlerin, il ne peut pas s'abriter à l'intérieur. Il est obligé de se dégoter une niche dans toutes ces ruines. N'empêche que depuis qu'elle a été restaurée, on y célèbre des offices. Et ouais, des offices sont célébrés chaque année et c'est surtout à la Pentecôte qu'on y vient. Enfin, les confrères viennent ici, organisent une messe et aussi une procession. Ils sortent même le Saint-Nicolas qui est à l'intérieur, le saint patron de l'église. Et tout le monde fait le petit chemin pour venir assister à la cérémonie? Mais en fait, ce sont généralement les gens du village de Loum et de Lavatogne qui viennent ici. Il y a les confrères et après, les gens peuvent venir de toute la Balagne aussi. Et là, c'est grâce aux dons qu'on fait les gens du village que l'église de l'Annonciade a pu être réhabilitée. Et il y a d'ailleurs un projet quant au village, c'est-à-dire qu'un projet de réhabilitation avec des dons privés, on pense réhabiliter toutes ces maisons et voir peut-être un jour le village d'Ochi renaître de ses cendres. Oh waouh, bah dis donc. Bon, je trouve ça presque dommage. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces ruines un peu fantômes. Ça donne une impression étrange. On s'attendrait à voir des revenants sortir à chaque coin de rue. Ouais, moi, en tout cas, je n'y passerai pas la nuit ici, tu vois. Ce climat ne me plaît pas. Toutes ces ruines, des fois, il y a le brouillard qui vient. J'aurais même peur de rencontrer la Squadra Rosa, tu vois. Je les imagine ici. La Squadra Rosa. Mais c'est simple. Si tu les vois, il suffit de mettre un poignard ou un stylet dans ta bouche et surtout de te mettre contre un mur. Ouais. Le but, c'est que les revenants ne t'entourent pas. Et surtout, il ne faut rien accepter d'eux. Parce que si tu acceptes quelque chose, ne serait-ce qu'un cierge, ils t'emmènent avec eux. Hein. Oui, je mets le couteau. Hein, et il va, ça. Et moi, je reste comme ça, debout. Et tu bouges pas? Je ne bouge pas. Hein. À mon avis, je pars avant la tombée de la nuit, Minéog. Comme ça, je suis plus tranquille et plus sûr. Hein. Bon, c'est des légendes, un peu. Oui, les légendes. En tout cas, ça me fait un petit peu peur, tout ça. Ouais. En attendant, on va visiter un peu toutes ces ruines, là. Je vais mettre le couteau à bouche sur le charge chez Jean-Marie. La Squadra d'Arose à Paul. Cela fait pourtant bien longtemps que ce village a perdu ses âmes, que personne ne place de petits récipients emplis d'eau sur les rebords des fenêtres
pour apaiser la soif des revenants, comme le voulait jadis la coutume. Il est fort probable que même les fantômes les plus tenaces aient fini par déserter le lieu, eux aussi. Enfin, je vous le souhaite, les amis, car ce n'est pas un petit canif qui pourrait réellement vous protéger si un tel cortège funeste venait à votre rencontre. Mais sachez que les lieux conservent leur propre mémoire, qu'ils sont imprégnés des vies passées, de leur joie comme de leur drame, et que ces murs de ces vieilles pierres renferment bien des secrets inaccessibles. Pour le travail. Ah, c'est tout tombé, tous les murs. Ah, une poutre là. Faut faire les linteaux. C'est le travail, oh. Bon, là, ils ont dû tout détruire, les barbaresques. Maintenant, pour refaire tout ça. Oh, bon, là encore, le coffrage et tout. Celui-là, il est costaud, il n'a pas bougé, hein. Oh, regarde la taille des blocs, hein. Imagine un peu. Les murs sont vraiment très épais. Ouais, bien appareillés. Ça, c'est du costaud. Hein. Et j'imagine qu'ils ont dû les construire comme ça pour résister en cas d'attaque, non? Oui, un petit peu. Mais en fait, ils construisaient les villages comme ça, avec des grosses pierres. En fait, pour l'éternité, il ne fallait pas qu'ils recommencent quelques années plus tard. Ouais. Mais là, avec le manque d'entretien, au fil du temps, hein, ben, les toitures sont tombées. Et aujourd'hui, on a que des parties de murs. Mais en tout cas, ils faisaient ça aussi. Ils accolaient les maisons les unes aux autres pour se protéger. Du vent, parce que Condeluzzo, chérie, là ça souffle fort, hein, voilà, le libitch, oui. Là, il s'infiltre dans les ruelles, ça passe là, et quand tu sors d'une maison pour aller chez le voisin, tu as intérêt à faire vite. Hein. Là, tu pars en courant dans les ruelles et hop, tu rentres dans une autre maison. C'est vrai que la Balagne est connue pour ses tempêtes et ses vents très très violents. En plus, ici on est sur un promontoire à quoi 400 mètres d'altitude, et quand ça souffle, ça fait pas semblant. Ben, ça donne ça, des grands pans de murs fracassés par le souffle du vent. Rien n'y résiste. Ouais. Enfin, moi, je sais pas si j'aurais apprécié la vie ici. Ça devait être rude quand même, avec ce vent, ce brouillard. Puis en plus, il n'y a même pas de route carrossable. Ah ouais, parce que s'il y avait une route, moi, j'aurais retapé cette maison de tour. Alors, j'aurais mis quelques linteaux, les portes, toit terrasse panoramique, et la vue sur la mer inquiétante. J'aurais coupé le figuier pour plus de luminosité. Et là, tout le temps, à bronzer au soleil. C'est vrai que je te vois bien, là. Ouais. Et puis, les routes, à l'époque, il ne fallait pas les faire larges. Parce qu'imagine, les pirates qui arrivent de la mer, là. Ils voient un chemin, une grande route, l'autoroute pour eux, ils montent facilement au village pour le détruire et rasier. Alors qu'à l'époque, il y avait des tout petits chemins qui étaient difficiles à trouver. Oui, c'est sûr. Mais, par contre, il n'y avait pas de route, mais il y a toujours eu de l'eau. Hein. Il y avait de l'eau, on récupérait l'eau de pluie, on la stockait. Ensuite, on l'utilisait dans les maisons pour la vaisselle et le bain. Et on irriguait, bien entendu, les jardins. Puisqu'ici, on cultivait beaucoup. Il y avait des céréales, il y avait des potagers, il y avait des oliviers. D'ailleurs, là-haut, au-dessus, il y a une belle érablée. On va y aller tout à l'heure. Magnifique. Et pourquoi est-ce que ce prétendu petit paradis a été abandonné, alors? Ça vient un peu plus tard. C'est-à-dire que 18e siècle, en fait, les jeunes qui vivent là n'ont plus trop d'intérêt à rester ici, puisqu'en bas, sur le littoral, à Calvi, on a grandi la ville. Hein. On construit le port, à Algajoul aussi, même à Île-Rousse. Donc les jeunes, ils sont tentés vers le littoral. Et en plus, il y a le commerce international. Donc ils veulent partir même de la Corse, aller s'expatrier ailleurs. Donc ils vont descendre progressivement vers le littoral. Et le village va perdre ses habitants petit à petit. Et il ne va rester ici que les bergers, hein, par la suite. Ouais, ils sont redescendus le beau bord de mer, hein, à l'abri du vent surtout, et plus près du confort et de la modernité. Hein. Ouais. C'est bien ça. Mais j'ai oublié aussi Fra Felice, le dernier habitant d'Auch. Qui était là, il jouait de la chansonnette, il chantait A Calenzana, più bello si vosta, quando ben sua Calenzana. Lila, lila, lila. L'histoire des villages insulaires est en réalité une histoire d'aller-retour entre le littoral fertile et la montagne aride. Un mouvement de va-et-vient provoqué par le danger, la guerre, la nécessité. Mais pour ceux qui sont nés dans cet espace un peu reculé, la magie du lieu l'emportait sur les considérations historiques. Auchi était leur village, l'endroit où ils étaient nés, où ils se sentaient chez eux. Regarde-moi ça, ces vaches, elles font leurs besoins partout. Elles font tomber tous les murs, oui. Ils gagadent. Oh, regarde. Oh, mon Dieu, mais c'est pas possible. Comment elle a fait, ça? Oh,
Elle doit être haute. Je sais pas. Moi, j'adore. Depuis que je suis petit... Ah, mais ne touche pas ça. Mais non, c'est... Oh, là, il y a de la vie dedans. Regarde. À l'intérieur, il y a plein de choses. Il y a des insectes. Mais le ver de terre. Oh, c'est horrible. Oh. Tu vas. Mais regarde, tu vois, là, il y en a un. Regarde comme il est beau. Le bousier. Ouais. Celui-ci, hop, on gorge. Celui-ci est petit. Il y en a des plus gros et des fois, il porte des boules, il les roule. Et tu crois qu'il va manger tout ça? Il va pas manger tout ça, il va faire des petites boulettes. Tiens, on va les laisser à l'intérieur. Allez, ouais. À brousser. Qui brûle. Paul! Oh là là, mais il y a la fumée qui sort partout. Oh, c'est chaud. Paul! Laisse ça, ami. Paul! Paul! Viens, viens me voir, viens. Ben, ben. Je crois pas, non. C'est un peu dangereux. Hein. Et puis ça va s'écrouler, ça. Tu cuisines? Eh non. Et dans ces villages abandonnés, il faut les faire revivre, tu vois, donc. Mais c'est intenable ici, comment tu tiens? Regarde toute cette fumée. Tu vois la fumée, toi? Oh. Ce qui compte ici, c'est les niches, tu vois? Les niches. Magnifique. Et tu les fais avec ces deux plaques, comme ça? Ouais, ça c'est des fers. Ces fers, ils ont appartenu à l'arrière-arrière, grand-mère de mon père, côté mémé. Oui. Donc, si je les perds, là, elle me tue, hein? Donc il faut en prendre soin. Et là, on fait le nid en famille depuis des siècles. Et le nid, c'est comme un miyach, si tu veux, avec un peu de farine, des œufs, de l'eau et du fromage, fromage ouvresco, que tu prends chez le berger. Et après, tu fais ta pâte et tu la mets là sur les fers. Et les fers, ça garde bien la chaleur. Il suffit d'un petit feu, pas un gros four ou mangabide. Hein. Juste un petit feu. Et après, tu tournes comme ça, tu vois. Ça a l'air bon, en tout cas. Ouais, de temps en temps, tu regardes un petit peu qui s'accroche pas. Allez. Et là, j'imagine bien Fra Felice à l'époque, tu sais, il pose un peu ses habits mondains pour retourner à la vie dans le village. Hein, à Ocin, là, il était là, il devait se faire le miyatsu tout seul. Eh ouais. Une dente gousie. Et c'est bientôt cuit, là? Eh, mais, regarde. Encore un petit peu, la cuisson, très important. Oh, pff, moi, je veux plus, là. Ouf. Mais non. Eh oui, à l'époque, ils vivaient tous là-dedans. Hein. Ils mangeaient près du fourgon, ils sentaient la fumée. Hein. Pas comme aujourd'hui. Hein. Et qui on est, hein? Ils sont beaux. Voilà, ils sont beaux, hein. Ceux-là, je les ai faits pour toi. Wow. Moi, j'en prends deux et je te laisse le dernier. Super. Faut pas le manger comme ça, un petit bout, hein. Faut croquer dedans. Hein. Délicatement, quoi. Ouais. Et donc, c'est la recette de Fra Felice, ça? Non, Fra Felice, il n'a pas pu connaître cette recette. La recette du Nietzsche, elle vient de Kazink. De Kazink? Ouais. Oh. En fait, c'était un jeune homme qui était tombé amoureux fou d'une fille très jolie du village d'Ouch. Ah oui? Eh oui, donc il venait régulièrement ici, lui faire la cour, et un beau jour, il décide de se marier. Donc il va voir les parents pour négocier, en fait, le mariage. Et comme c'est un jeune qui est orphelin, il est pauvre en même temps, donc il n'a pas grand-chose. Et il possède la recette du Nietzsche. Oh, il voulait la donner comme dot. Voilà, mais bon, les parents, la dot, c'était pas très important. Une dot, une recette, ça vaut rien, quoi. Mm-hmm. Donc malheureusement, il n'a pas pu l'épouser. Oh, le pauvre. Et il est retourné en Kazinka tout seul. Il est rentré tout malheureux en Kazinka. Gorge.
Ouais, mais bien des années plus tard, la recette, elle avait pris de l'ampleur. Ah. Et là, la famille, avec la recette, est devenue riche, une famille aisée. Ah, mais dis donc. Ouais, mais lui ne l'a pas su. Et du coup, Fra Felice ? Fra Felice, ça n'a rien à voir avec la recette du Nietzsche, mais par contre, Fra Felice, c'est le monsieur Dutch. Ah, il est né ici, et ce fut le dernier habitant à occuper le village, et il est mort en 1918. Alors lui, il a parcouru l'Europe, il est parti, il était très cultivé, il a fréquenté les grands de ce monde, de capitale en capitale, et jusqu'au jour où il s'est dit, ma Corse me manque, la Balagne et mon village de Dutch. Donc il est rentré au village, il s'est installé ici, parce qu'il avait la maison de famille, ouais. Et il y avait de moins en moins d'habitants, puisqu'au début c'était un village, il y avait 200 personnes, et après petit à petit la population déclinait, jusqu'au jour où tout le monde avait disparu, et lui est resté tout seul dans le village. Oh là là. Ah ouais, donc c'était difficile pour lui de vivre dans le village, parce qu'il avait l'habitude d'aller voir les voisins, de discuter, de faire le jardin ensemble, tu vois, il y avait de l'entraide. Et là, il se retrouve tout seul. Donc une année, deux années, trois années tout seul, à un moment donné, il a disjoncté. Et après, il est devenu un peu farfelu, il chantait tout seul, et il comptait, racontait des histoires aux arbres, aux rochers. Et en même temps, il était cultivé et il se baladait avec des tenues un peu... classe pour le village, puisqu'il avait des redingotes, chapeaux, de forme, t'imagines un peu... Pas très approprié, hein. Ouais, mais bon, c'était un personnage, et on l'appelait aussi le comte. Il se faisait nommer le comte Dutch, monsieur, oh, wow. Il signore Giudicelli. Il parlava italien, le monsieur il parlait italien, tu vois. Ça devait être quand même quelque chose de le voir déambuler dans les ruelles avec son chapeau. Si. Il chantait à tue-tête, tout seul. Lasciatemi cantare... Con la guitare in mano. Et ce fut un personnage quand même. Ces villages abandonnés auraient bien besoin d'un peu plus de farfelus pour les repeupler. Mais pas que des excentriques en réalité. Car à voir toutes ces maisons effondrées, on ne peut que constater l'ampleur de la tâche. Ochi est aujourd'hui comme une fenêtre. Une fenêtre sur un monde disparu. Un monde en décalage total avec la réalité de notre société moderne. Et pourtant, le rivage n'est pas loin, la vue est splendide. Il ne faudrait pas grand-chose pour que le lieu retrouve vie. Regarde comme elle est belle, cette taille. Oh, avec ses belles grandes dalles. Waouh. Elle est magnifique, hein. Waouh. Oh là là. T'imagines, là, les derniers habitants d'Auch, ils venaient ici, ils s'affairaient au dépiquage du blé. Hein, il y avait des bœufs, ils étaient là. Ils faisaient tourner les bœufs qui portaient le tribut, cette grosse pierre, et qui permettait de dépiquer le blé, c'est-à-dire qui séparait les graines de la gerbe de blé. Ah ouais. Et souvent, on faisait les adjes dans des endroits très ventés comme ça. Eh ouais, regarde là. Pour pouvoir séparer l'enveloppe du grain. Ici, il y a toujours du vent. Ah. Quelle vue exceptionnelle. Ah ouais, c'est de loin la plus belle vue de Balagne. Oh, je suis d'accord avec toi. Oh, c'est magnifique. Et là, regarde, la maisonnette où j'ai allumé le feu et je t'ai préparé les niches. En fait, tu as failli incendier la maison quand même. Ouais, incendié. C'était un petit feu et puis regarde, elle est toujours là. Hein. Ouais. Mais n'empêche, ils étaient très bons. Ah, tu vois, hein, manque un peu de sel. Hein. Là-bas, regarde. C'est où j'ai trouvé le bousier. Ah oui, dans le petit jardin. Ouais. Il a dû retrouver sa famille. Ah oui, probablement. Hein. Ouais. C'est magnifique. Et si tu te mets en symbiose avec ce village, tu peux entendre la voix du comte Fra Felice. Eh oui.
ainsi est le village d'Ochi, l'œil de la Balagne. Un village dressé entre mer et montagne, suspendu entre passé et modernité. Du haut de son promontoire rocheux, Ochi raconte une histoire bien corse, faite de mouvements entre le littoral et la montagne, entre ouverture vers la mer et repli vers l'intérieur. Lorsque celle-ci devenait trop dangereuse, selon un va-et-vient presque continu au fil des millénaires. Ochi n'est pas un cas isolé, bien au contraire. Mais la beauté du paysage qui l'entoure a fait de ce petit village abandonné une véritable légende que tout le monde dans l'île connaît. Un petit trésor fossilisé dans sa gangue minérale.